Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. On va aller voir quelle est la meilleure classe du katana, mais avant cela, j'ai deux choses à vous dire. La première, on sait quelles seront les récompenses par rapport aux ranked de la saison 6 en multijoueur. En Battle Royale, on le connaît, c'est le skin que je vous ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Et là, on a le petit cadre S6 avec la hache de combat. Donc faites bien attention à la qualité de l'image, elle n'est pas optimale. Mais par contre, avoir la hache de combat, donc ouais, ça peut être cool. Et ça dépend si on a commencé le jeu ou pas, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont pas. Ensuite, on aura également ce pistolet là, donc ça c'est pas oufissime. On aura également le chopper qui aura droit à son premier skin. Donc ça va, j'aime bien le chopper, même si c'est pas une arme qui est très jouée par rapport à la QQ9 ou par rapport à la méta actuelle qui est la mitraillette. Et également la LK24, enfin il me semble que c'est la LK24 avec ce petit skin là justement. Donc à voir ce que ça peut donner, surtout que la LK24 il y a quand même beaucoup de skins dessus, notamment dans la boutique à pub, donc à voir si ça va plaire aux gens. Donc là je suis un petit peu déçu, donc forcément ils nous ont un petit peu initié à avoir de nouvelles armes à chaque fois qu'il y a un ranked. Donc là c'est un petit peu des armes que l'on possède, enfin pour la plupart d'entre nous. Et donc du coup le ranked du multijoueur qui sera pas oufissime en matière de récompense. Et là on peut voir quelque chose de très important concernant la saison 9, c'est tout simplement maintenant votre appareil qui va être, on va dire, compatible pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience du jeu. Donc en minimum spécification, il y aura l'iPhone 7 en version iOS 9 et pour Android, ça sera un dual core en 1,2 GHz en version Android 4.3. Donc à peu près le Samsung S8. Et spécification recommandée. Donc là, en fait, on voit directement l'iPhone 8, mais également forcément l'iPhone 10, ça sera bien mieux. Mais en fait, il n'y aura pas forcément énormément de différence. Ça sera surtout sur les futures mises à jour qu'on verra une différence. Donc là, on verra un autre core 2 GHz et un Android 8.0 pour les spécifications recommandées qui équivaut à peu près au Samsung S9. Donc faites bien attention à votre appareil pour pouvoir jouer au jeu. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on a eu l'habitude avec un Samsung S7 et que maintenant ça sera un petit peu amoindri. Mais par contre, il vous avertit si vous aurez des potentiels bugs. Il est temps pour moi d'aller vous proposer la meilleure classe au katana. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette classe. D'autre part, n'oubliez pas que je suis sur Twitch le lundi et mercredi à partir de 14h. Le lien est dans la description. Let's go jouer les samouraïs! Et donc j'ai décidé d'aller en multijoueur classique, tout simplement qu'en ranked, ça serait un petit peu plus compliqué de vous expliquer. Et là, ça sera un peu plus tranquille. Donc dans cette classe, j'ai décidé de mettre forcément la AK-44. Donc ça, on s'en fout, vous prenez votre arme au choix, le fameux katana. Vous mettez le petit atout rouge qui vous permet d'avoir un petit boost de vitesse au moment où vous marchez ou vous courez. Donc ça peut être assez efficace. Poids léger fera également l'affaire si vous avez l'habitude. Et surtout, le plus important reste le quick fix qui vous permet de récupérer votre santé à 100% au moment d'un kill. Et c'est parfait, le katana one shot. Sans compter le fumigène, parce que forcément au moment où vous utilisez votre katana, ça procure un fumigène automatiquement. Et la chose qui est très importante avec le katana, c'est de rester appuyé sur le bouton ou alors de spammer à votre choix. Mais le plus important également, c'est de savoir qu'on peut balancer son katana quand il arrive à la fin. Oui, ça nous fait devenir à la première personne. Et donc c'est quelque chose qui est méconnu un petit peu des personnes, mais qui peut être efficace sur certains points. Allez, on va essayer vite fait de l'avoir rapidement. Donc là, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Comme ça, logiquement, ça devrait aller. Donc là, normalement, je devrais avoir un seul katana sur les deux manches. Donc là, je vais vite le tuer. Ok, il y en a un en bas. Je l'ai tué. Il y en a un par là. Allez, allez, donc ça, c'était certainement celui que j'avais tué à la base. Allez, une petite grenade au fond là-bas. On me laisse monter, on me laisse pas. Non, en plus de ça, en tout cas, j'ai raté ce que je voulais. Je vais vite prendre l'échelle. Allez, c'est bon, me voilà en hauteur. Ok, donc il y en a là-bas. On va mettre là-bas. Ah, il prend pas là-bas, il a son petit carré, il ne reste tellement rien. Ok, c'est pas grave, donc du coup, on va en profiter pour rester par là. Voilà, il va tellement pas prendre. Tiens, c'est quoi, trêve. Au moins, on sera tranquille avec la roquette. Il y en a un qui monte. Il est en dessous, je crois. Ah, là, 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 ok. Donc, il reste en fond de map, les mecs, et ils t'attendent. Bon, ça change rien. Ok, donc là, il met sur le drapeau. Nice, il y en a encore un mec au fond. Parfait. Donc là, on n'est pas loin d'avoir le katana. Forcément, j'utiliserai à la deuxième manche. Et si j'arrive pas, parce que forcément, ce reste, ça risque d'être compliqué, étant donné que c'est une petite map, j'irai faire une deuxième game. Ok, donc là, il y en a un par là. Il vient pas. Il est où, lui? Il est en dessous.
Bon, je le vois pas. Ok, bah forcément, je me fais one shot avec un sniper. Allez, vite avoir le katana. Comme ça, je l'aurai d'entrée de jeu. Ok, il est là. Il y en a un autre là. Parfait. Donc, il est où l'autre? Il y en a un en haut. Il y en a un derrière moi. Ah non, je vais pas avoir le temps de le finir. Et il me one shot. Bon, c'est pas grave. On a eu le temps d'avoir le katana. Fin de première manche. Donc là, let's go faire un maximum de carnage. Donc ça risque quand même d'être assez compliqué. Et c'est pour ça que le fumigène, comme je vous ai dit en premier lieu, est très important. Comme ça, il va vous cover à 100%. Donc là, on va en balancer un par là-bas. Logiquement, il devrait bien le couvrir. Un autre par là-bas. Ok, il y en a un hauteur. Donc il faut déjà le dégager. Il y en a un deuxième, j'ai vu. Ah là là, forcément, il m'a one shot. Attention, il va falloir que j'utilise le fumigène au bon moment. Donc là, ça arrive par là. Aïe, aïe, aïe. C'est assez compliqué. Il faut d'abord que je pète le drone de brouillage pour avoir la paix, pour savoir d'où il tire. Ah non, ce n'est pas le drone de brouillage. Tant pis pour moi, c'était le drone. C'est pas grave, on va vite se péter avec le cane. Ok, il y a des mecs par là. Voilà, on va faire gaffe quand même. On va mettre le petit drone. Encore derrière moi, je voulais mettre le katana. Bon, heureusement que je ne l'ai pas mis. Donc là, il va falloir que j'utilise au bon moment. Donc c'est parti. Allez, hop, par là. Donc là, il faut un petit peu vers le fond là-bas, là où je lance ma petite grenade. Ok, ça tu as vite fait mourir. Et c'est le bon moment. Donc là, on reste spammé dessus au cas où s'il vient dans le fumigène. Et là, vous pouvez y aller directement et penser à faire énormément de glissades. Tout en glissant, hop, vous pouvez le tuer directement. Là, vous restez comme ça, au cas où s'il y a quelqu'un, ça se détectera automatiquement. Donc là, ça arrive sur le B. Je vais glisser. Aïe, 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 dommage, j'ai parti en dessous. Voilà, là, je reste à spammer. Très important. Ah, dommage, j'ai pas pu le tuer. Bah, après, c'était 3 ou 4 sur moi. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête à appuyer sur le bouton comme ça, là. Comme si je voudrais tirer directement. Non, non, juste vous restez appuyé. Et du coup, ça va faire un maximum de carnage alors que ça sera même pas voulu. Et vous, vous devrez vous préoccuper uniquement de la glissade, de savoir où est-ce qu'ils sont. Et pourquoi pas, s'ils sont un petit peu loin, profiter du lancer de katana. Dans tous les cas, on va faire vite fait une deuxième game. Au moment où je vais avoir le katana pour pouvoir le balancer, au cas où si vous n'étiez pas au courant, parce qu'il y a un logo spécial justement au niveau du viseur en haut à gauche où le katana se met et que donc du coup vous pourrez le balancer à la première personne. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais la personne que j'ai tuée, j'étais déjà dans le rouge. Et avec ce kit là, ça m'a permis de récupérer ma santé entièrement et donc forcément de pouvoir enchaîner le deuxième. Et après la personne qui m'a tué derrière, ah là forcément si je recharge pas et que j'ai plus de balles, c'est normal que je risque pas de le tuer. Dans tous les cas, ça va être la win sur Rust, donc ça c'est plutôt propre. Il y en a un sur l'autre côté. Ok, parfait. Il est où lui? Il tire. Ah, il était au-dessus, il a dû citer sur le petit bâtiment. Et nous voilà atterrés dans la deuxième game. J'ai décidé d'échanger le premier atout avec poids léger, comme ça vous pourrez voir la différence. Et surtout de prendre une map qui est en ranked, donc la fameuse stand-off. Donc c'est parti. Donc là, forcément, je vais pas vous faire traîner dans la game. On se retrouve directement au moment où je vais avoir le katana. Du coup, j'ai réussi à avoir le katana en première manche. Donc forcément, je vais quand même le garder pour la deuxième manche, parce qu'il n'y a aucun intérêt, étant donné que j'aurai pas le temps de l'utiliser. Donc c'est parti pour utiliser le katana, donc j'espère ne pas me faire tuer pour pouvoir vous montrer qu'on peut le balancer. Par contre, au moment où je vais l'utiliser, je vous invite fortement à regarder en haut à gauche le petit logo, là, la petite épée qu'il y aura, qui permettra de le balancer. Donc là, on profite pour faire le tour, j'en profite pour balancer un petit fumigène chez eux, et donc forcément, d'utiliser maintenant. Donc là, si j'utilise le logo en haut à gauche, ça me met à la première personne et je ne pourrai pas revenir à la troisième personne. Donc on en profite pour faire des glissades quand même. On peut sauter. Ok, donc là je les entends. Ils sont sur le B. On spam. Tout en glissant. Voilà. Et donc là, pas besoin de s'alarmer. Donc ils sont un petit peu sur leur drapeau. Le katana qui dure assez. Donc j'essaie de ne pas me faire tuer pour pouvoir vous montrer qu'on peut le balancer ensuite. Ah, c'est assez difficile à manier, mine de rien. Ok, donc là, il est par là. Ils atterrissent à la station d'essence. Donc ouais, il ne me reste plus beaucoup de temps malheureusement. Ok, donc on se met en première personne. Et on essaye de le balancer pour faire un petit kill. Aïe, 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 dommage, j'ai pas pu. En tout cas, là, vous avez pu voir que je l'ai balancé. Bon, après, j'ai pas réussi à faire le kill. C'est assez dur, limite, même plus dur qu'une hache de combat à pouvoir toucher avec. Mais ça peut être efficace
quand vous voyez par exemple que la fin de game arrive ou qu'alors votre fin de katana arrive et du coup donc vous le balancez au hasard et ça peut faire une belle petite kill cam hasardeuse mais plutôt stylée. C'est quand même bien compliqué d'avancer avec le katana, mais une fois qu'on a avancé, une fois qu'on a une bonne team qui gère bien les lignes, là c'est un maximum de carnage. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou.